50 ans sont passés extrêmement vite, mais c'était 50 années finalement de bonheur. Moi, je n'ai pas passé 50 ans, j'ai passé 40 années, mais 40 années de bonheur. On fait de la science, on enseigne aux étudiants, on a le plaisir de transmettre. On a fait de cette fac un fleuron de la formation et surtout de la formation industrielle des pharmaciens. Et donc, je crois qu'on est tous fiers de ça, voilà. Et on est tous un peu tristes de la quitter, mais ce bâtiment est à bout de souffle, donc il faut passer à autre chose. On va partir sur Paris-Saclay, enfin sur le plateau de Saclay, et c'est vrai qu'on va avoir une faculté moderne. Donc c'est une page qui se tourne, mais c'est peut-être vers quelque chose de mieux. Donc on verra ce qu'il en est. C'était la convivialité, la cité universitaire, les rencontres. C'est devenu ensuite l'esprit de Châtenay, c'est devenu l'esprit pour moi également famille, parce que j'ai rencontré ma femme sur les bancs de la faculté de pharmacie. Ça a été donc une vie personnelle qui a commencé à Châtenay-Malabry. Même si c'était loin de Paris, le RER, le métro, le bus, ça marche à pied. Mais après, des super rencontres. Des souvenirs des marches aussi qui sont derrière nous, où on prenait le café le midi. On philosophait un petit peu autour, on parlait de l'avenir, de nos études. Une nouvelle page va s'ouvrir, des nouveaux profs vont arriver. Mais le challenge, c'est de réussir à exporter une partie de cet esprit de Châtenay à Saclay.